C'est une affaire. Ah, tu l'as vu, frère. Tu l'as vu. Là, on fait un son de 4 heures aujourd'hui, 4 heures de studio. Et avec mon gars là, j'espère qu'on va tout niquer. Le compteur il vient de bouger. Tiens, frère, tu vois. Tu vois. Tu vois, frère, c'est vrai, on va t'abuser de l'eau au moins. Bon, bah, il est presque fini, mais il y a une bouteille d'eau donc on est quand même bien. Ça commence bien, j'allais te dire. Vas-y, que c'est important, tu vois. Donc là, faut tout donner. Ah, Ron. Panamera, FW en Panamera. Le projet réussi, le regard est porté au-delà des rives. On a formé une équipe qui date de l'époque. On a fait cette vie, la mixte est pas plein d'ambition, le projet réussi. Le regard est porté au-delà des rives. On a formé une équipe qui date de l'époque. On attend le disque, que dire de la foule. Je leur envoie des proches, je leur rafale. Le dos il est explosé, mais en vrai c'est cool, c'est cool. Oh, cool. T'es vu en fait. Eh, vas-y toi. Un bac comme ça. Au-delà de la rive. Ah, c'est pour... oui, le bac, ouais. T'as porté au-delà des rives. Au-delà de la rive. Vas-y, au-delà de la rive. Au-delà de la. Au-delà de la rive. Ouais, j'ai bégayé, frérot. J'ai la vidéo avec Nino là. J'ai vu ça. Nino, la vidéo là. Non, c'est pas vu la vidéo. Panamera. On a fait cette vie, la mixte est Paris. Plein d'ambition, le projet réussi. Le regard est porté au-delà des rives. On a formé une équipe qui date de l'époque. On attend le disque, le tir de la foule. Je leur en prends des proches, je leur rafale. Antoine, on a fait une dinguerie là. On a fait un truc de malade de psychopathe. Non, mais les gars, c'est pas prêt. La vérité, c'est pas prêt, les gars. Gros, c'est. One last. Écoutez, wesh. Let's go. Tout s'est étoile. Je veux pas rester pour recommencer. Non, ne fais pas ça. Je veux pas être malade, non. Antoine. Ouais. On mange pas encore là. On fait du son, les gars. On fait du son aujourd'hui. On va faire du son, ça va être feu. Attends, remets en arrière, je vais te parler. T'inquiète, vas-y, je te remets là. Yeah. J'ai bloqué ton numéro, ça sert à rien de revenir. Parce que moi, je suis pas un putain de mytho. Je t'ai laissé parce que tu m'as abandonné. Je vais tout ça. Tu vois, ça fait. Ouais, écoute, t'entends le petit délai quand même. Ouais, j'ai trop souffert.
t'entend. Ah, on l'entend, on l'entend derrière. Avec le tête, regarde, tu l'entends bien en plus. Ah, c'est stylé. Et mais je vais te faire le même effet qu'hier sur le. Mais j'ai le cœur en miettes, je mets. Mais j'ai le cœur en miettes. C'est dégueu. Tu vas voir. En gros, là, tout ça, je vais les différencier, tu vois. Incroyable. Vanitas de la humanité, premier son, premier featuring avec Godzva, premier. C'est lourd. Waouh. Vas-y, Rémi. Mais j'ai le cœur en miettes. C'est dinguerie. Une dinguerie. Antoine. Poussière d'étoile, les gars. Bientôt, bientôt disponible. Bientôt disponible. Ah, ça va être chaud patate. J'ai failli foirer la mort. J'ai failli jamais sa mère être une avée des codes. Une jalousie intérieurement, mon cœur était rempli. Incroyable. Incroyable. C'est incroyable, les démarques c'est incroyable. Vous imaginez pas le c'est qu'on le sera. Les gars, ouais, les bestiaux, hit. Salut, les gars, bientôt. Non mais là vous êtes pas pris. Vous êtes pas pris, j'ai fait une musique et c'est incroyable. J'ai tellement bien mixé, bien masterisé tout ça, je suis trop content. Vraiment je suis trop content, ça va évoluer là, ça évolue beaucoup parce que j'ai fait des phrases de ouf. J'ai bien kické en plus moi qui. Mais là, on se connard.
Eh sentiments, les mots. C'est formellement que vous voulez. Démon. C'est réduit. Un vent. Zeble. Irina. Pour moi. Comme pour moi. C'est marrant pour ça. J'ai pas les mains. J'ai pas su dire mes sentiments. J'ai pas les mots. Dans ma tête, c'est le vide. Non, j'ai le démon. J'ai cru que je t'avais séduit. On aurait dit que tu m'as fait des signes. Mais j'ai très vite compris qu'elle m'a mis un vent. Belle blonde aux yeux bleus. J'en connais une, c'est Irina. Y'a que elle qui compte pour moi. Qui compte pour moi? Non, moi j'aime bien. Attends. J'ai peur. Oui. Moi aussi. Elle fait filmer, c'est con. Ah oui, bah là ça filme déjà. Hein. Ah, c'est ça qui fait le premier gars. On s'en fout. On est musical, tu vois. Je perds du bon sens. Je sens différent. Ça peut passer. Ah! Bébé, j'ai pas su trouver les mots pour te dire ce que je... Comme si dans ma tête, je voulais comme un papillon. Hey, comme un papillon. Hey, comme un papillon. Oh, 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 hey. Comme si dans ma tête, je voulais comme un papillon. Hey, comme un papillon. Yeah, comme un papillon. Hey, hey.
Putain, c'est chill en vrai, la vie. C'est carré la vie. Comme si dans ma tête, je volais comme un papillon. Comme un papillon. Pour se voir dans un miroir, sans aucune raison, sans rien y voir, hey, sans rien y voir. Ok, regarde. Du mat, on se bouscule pour se voir dans un miroir. 8h du mat, on se bouscule pour se voir dans un miroir, sans aucune raison, sans rien y voir. Hey, sans rien y voir, il faut que je cède à cœur d'ivoire. Et si je m'arrête pas, c'est que la vie me laisse croire que sans eux je peux arriver. Hey, sans eux je peux arriver. Chiche, chiche, j'ai la pas. C'est un cœur d'ivoire. Et si je m'arrête pas, c'est que la vie me laissait croire. Dans un miroir, sans aucune raison, sans rien y voir. Hey, sans rien y voir. Et au fond, je sais que t'as un cœur d'ivoire. Et si je m'arrête pas, c'est que la vie me laissait croire. Sans eux, je peux arriver. Hey, sans eux, je peux arriver. Chiche, chiche. Non, pas du tout. Pas du tout. Que sans eux, je puis arriver. Que sans eux, je puis arriver. Hey. Donc voilà. Hey, sans rien y voir. Et au fond, je sais que t'as un cœur d'ivoire. Et si je m'arrête pas, c'est que la vie me laissait croire. Sans eux, je puis arriver. Ouh. Sans eux, je puis arriver. Hey, hey, j'ai la paps, je suis dans. Ah, ça peut pas ouf comme ça, mais quand c'est mixé, c'est bien. Pas crème. J'ai la paps, je suis dans ça, j'ai pas le time. J'ai la paps, je suis dans ça, j'ai pas le time, j'ai pas le time, non, non, non. J'ai la paps, il fait butterfly, hey. Faut que je me taille, non, 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 hey. Sans eux, je peux arriver. J'ai la paps, je suis
suis dans le sac. J'ai pas le time, j'ai pas le time. Non, 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 j'ai la vibes. Et le butterfly, faut que je me taille. Non, non. J'ai raté mes lyrics qui viennent de mes artères. Tu connais mon blaze ni mon caractère. Je fous là comme jamais juré. J'ai juré sur nos cas, putain, fais chier, mais. Je fous là comme jamais juré sur nos cas, inspiré de l'instru sur le fond de tout pack, attiré par tous ces mélos qui furent rentrés dans la tête. Tête. En vrai, c'est stylé, en vrai. C'est stylé! Mais frère, c'est stylé là ce que je viens de faire! Non mais frère, les doigts morts. Je foule comme jamais, j'y vais sur nos cap, aspiré de l'instru, sur le photo ou pas, attiré par tous ces mélos qui font rentrer dans la tête. Tête. Mais voilà frère, c'est stylé les doigts morts. Ok, du coup, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le... la fini du coup. La fini les gars, c'est génial. Ok, du coup, là je vais mettre le. Arrivé, comme un papillon, comme un papillon, comme si dans ma tête je voulais comme un papillon, comme un papillon, comme un papillon. Dans ma tête, je volais comme un papillon. Hey. Comme si dans ma tête, je volais comme un papillon. Yeah. Comme un papillon. Yeah. Comme un papillon. Hey. Comme un papillon. Yeah. Et ça, là, ce qui m'a. Dans ma tête, je volais comme un papillon. Comme si dans ma tête, je volais comme un papillon. Comme un papillon. Comme un papillon, hey, comme un papillon. Vibes, side, time. Vibes, fly, tie. Lyrics, artère. Blaze, caractère. Dans un miroir, sans rien y voir. D'un cœur d'ivoire, c'est que la vie m'essaie croire. On a fini les bacs, il reste plus qu'à faire les ambiances. On a fini. Oui, c'est ça, c'est bien, oui. On a fini les bacs, il reste plus que les ambiances. Comme un papillon. Comme un papillon. Comme un papillon. Comme un papillon. Comme jamais.
je le surmoca, respirer de l'instru sur le vaudou, pas attiré par tous ces mélodies qui font rentrer dans la tête. Ouais. Comme si dans ma tête, je volais comme un papillon. T'as capté le délire? Tu sais ce que je vais faire? J'ai raté mes lyrics. Mes paroles. Yeah, mes fans. Snake Blue. Yeah. Comme un papillon, comme un papillon. Je crois qu'on a fini là. T'as capté le délire? Comme si dans ma tête je voulais prendre, yeah. Comme un papillon. Hey, hey, hey. 8h du mat, mais on se bouscule. The Dark 20, bro. Bing. Voilà les gars, la musique est terminée. Du coup, j'ai plus qu'à mixer tout ça. Je pense qu'il me faut au moins 2 heures. Hein. Où je refais les vidéos après, j'aurai tout fini, puis voilà, ce sera la finale, puis voilà. En tout cas, à tout à l'heure. Ça y est les gars, la finale de musique est finie, c'est fini les gars, papillon c'est fini, j'ai mixé tout effet les gars, écoutez-moi cette musique. The Dark 20, bro. Comme j'ai dans ma tête, je me comme un papillon. Comme un papillon, comme un papillon, comme un papillon, comme un papillon.
tête, je ne comprends pas vivre. The dark 21, bro. Comme un papy. En tout cas, voilà, c'est fini. Adios, mon cas. T'as la force de la faire, il reste une piste comme ça et c'est tout. Après c'est fini, je mix master. Oh là 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 là. Le petit boom bap qu'on défend là de le mixtape. Un mixtape qui sortira bientôt les gars. Je balade Kikita, je vas trop insister. Tout seul je me balade, parano, je suis malade. Dans la zig je cavale. Je permets pas la cité. Les problèmes, les regards, les attentes. Mais pas la cité. Les problèmes, les regards, les atrocités. Si je fais ça, c'est aussi pour ma massacre. Je pas la quitte, tu vas toujours insister. Mais pas la cité, mais pas la cité. Les problèmes, les regards, les atrocités. Si je fais ça, c'est aussi pour ma massacre. Ouais. J'ai encore une histoire dans un grimoire, hein, faut le savoir. J'ai connu le rap grâce à GTA, je rêvais GTI. Eux pensaient que j'étais ivre, eux pensaient que j'étais mort. Wow, c'est pas un studio, c'est un appartement. La bouche grande ouverte comme au parlement. On m'a dit faudra être chaud, qu'un aparté. J'aurais des mal à partir, des rappeurs sont par terre. J'ai connu la galère mais pas la cité. Les problèmes, les regards, les atrocités. Si je fais ça c'est aussi pour mamacita. Je pas la quichta, je pas trop insister. Tout seul je me balade, parano je suis malade. Vers la zig je cavale. Sur la feuille je calabre, ne rencontre pas de salade. Tu finiras solo. Faut que j'évite la pression. Faut que je regarde la raison. Surtout pas que je perds la tête, garder en vue ma mission. Sans mon fil ou fiction, sans me fier aux filles. Sauf à la vie, on veut la graisse, tout comme un fil ou fiche. Faut pas que je perde de vue ma mission. Sans me fier à la petite fiction. Ok. J'ai réussi, le regard est porté au-delà des rives. La forme unique qui je la douce à frère, on verra. Vas-y, je peux venir. Alors du coup, là on parle de la mixtape. La mixtape selfie. Donc la cover est faite. La cover est faite déjà. Ouais. Il a voilà, monté. Mais là, attends, j'arrive. Il a... Hey, c'est quoi ça? C'est quoi? What the fuck? Ah oui, what the fuck, mec. Regardez, c'est pas problème. Vous avez pas vu, il y a... C'est grâce à qui? Eh ben, ce crack, en fait. Regardez ce crackito, ce qu'il a fait. C'est un génie, les gars. Je suis trop fort. Voilà. N'oubliez pas ça, mon gars, c'est un chapitre. Je l'ai fait, et pour lui, parce que ce mec, il mérite... Voilà. Il mérite tout ce qui... Regarde. Toi, voilà, ça, frérot, tous ces sons là, ça mérite le million. Non, merci le crack. Je veux un maximum de crack. Crack boy. Ouais. Non, c'est un crack et voilà. Et ça, j'ai fait le mien encore, oui, c'est très bien. Voilà, du coup, voilà. Et puis, encore, moi, je vous remercie de votre côté aussi pour les streams. Parce que voilà. Mais non, mais merci à ce crack parce que franchement, regardez-moi ce taf. C'est incroyable. Même moi, j'aurais jamais pensé à ça. Même le milieu, frérot. Mais oui, regarde.
Regarde, montre-leur. Bon, c'est un peu flou, mais il n'y a pas d'autofocus, mais on s'en fout, les gars. L'important, c'est ça, là. C'est le vlog, c'est le vlog. Non, non, franchement, c'est un crack, les gars. Franchement, Flo, respecte-le, c'est un crack. Bon taf, bon artiste, c'est un crack. Donc, les gars, voilà, on avance. En vrai, la mixtape, je pense que la mixtape, ça fait quand même presque une année que je commence à commencer, tu vois, la mixtape, tu vois. Ouais. Seule vie, une mixtape, ça va être le plus gros projet de ma vie, je pense. Ça va être le. Pas ma vie, mais pour l'instant, quand je le dis comme ça, c'est mon plus gros projet de l'année, je pense. De l'année, voilà, de l'année, c'est la plus vite. De l'année. Et j'ai vu des artistes de malade, j'ai parlé avec des gens de fous, l'enregistrement avec ce mec qui m'a beaucoup aidé dans tout. C'est pour ça que je l'offre le CD. Parce que tout ce qu'il m'a fait, frérot. Les covers, les instruments, les masters, tout ça. Ouais, mais même, les gars, c'est un crack. C'est grâce à lui, frérot. Donc, je me dois aussi de l'offrir ce petit CD Il me le devait pas, mais en tout cas, c'est un crack. Non, en vrai, ça me fait plaisir de l'offrir. Ouais, moi, ça me fait autant plaisir que tu me l'offres. C'est ça. Tu connais. Donc, voilà, les mixtapes, les gars, sortira 2 décembre déjà. Donc, on a tout prévu, on a tout. Et on parlait d'un peu de promotion. Enfin, tu disais quoi du coup par rapport à. Ah ouais, la promotion de cette dinguerie. Ouais, on va rentrer en conversation. Ouais, après la cover, on va prendre la préparation de cette dinguerie. Alors, évidemment, Florian, je te le redis. C'est Florian Bardiez alias Flo Lozva. On va pas se mentir, les gars, dites aussi que ça, son système de promotion est douteux. Après, je dis pas, je suis pas professionnel non plus, les gars, mais. C'est juste que, là on va essayer, son projet va essayer d'établir une meilleure stratégie. En termes de commercialisation, en termes de promotion, le niveau est placé plus haut cette fois-ci. Ouais, tu peux le argumenter parce que c'est ton projet. Aquarius, là c'est un petit truc de Azub qu'on a fait un peu, même pas, on a fait en 5 mois on l'a fait cette fois. La perte de l'espace, sans l'enfant, 2 mois, on l'a fait cet été, on s'est calé chez vous, nanana. Là, je pense que ce projet-là, on a pris beaucoup plus de temps. On a beaucoup réfléchi tout ça. Et on a préparé les carbones depuis tout à l'heure sur comment la sortir, comment la faire écouter aux gens et comment envisager la sortie. Voilà, c'est la sortie, on va dire. Ouais. Comment on va voir, comment on va faire. Donc la cover est faite. On a la photo, tu peux la montrer, c'est bon. Je vais vous présenter la cover du poteau. La cover qu'on a faite tout à l'heure. Enfin, qui a été réalisé. Les photos vont s'envoyer maintenant. Par mes soins, voilà, je suis pas à me valoriser, pas du tout, mais du coup, voilà, cover réalisé. Salvi, les gars, salvi. Par mes soins, voilà, juste ici. La tracklist, tu peux la montrer aussi. Voilà, si la tracklist. Elle est pas encore faite, mais on la montre. Non, elle est pas finalisée, mais voilà, donc là, vous avez la cover officielle du. Et celui qui l'a fait. Enfin, du projet, voilà, avec donc. On voit pas exactement, mais donc la terre qui se reflète dans les lunettes du jeune homme. Et donc voilà la cover officielle. Voilà, réalisé par mes soins. Et franchement, je suis content, petite parenthèse pour vous dire que je suis bien entouré pour ça et que Dieu merci, voilà, j'ai des gens comme ça, comme lui qui me poussent, tout ça. Et bah ouais, merci frérot, merci au gang. C'est la famille, mec. À chaque fois, nous on bégaye sur les checks. Attention, je m'en veux parce que je lui mets 40 000 vents. Attends, si on n'en parle pas. Capsule, gros, attends, capsule, j'étais comme ça. Ouais. Attendez, c'est foutu de ma gueule. Non, la vie, ma mère, J'espère que merci. Vous faites vraiment bon. Je le dis, frérot. Non, après, j'ai fini par capter que tu voulais me checker. Du coup, j'ai checké, tu vois. À la fin. Mais non. Non, c'est un crack. En plus, je lui mets des vents, moi, comme un fou. Non, en vrai. Non, les gars, c'est un crack. Donc, voilà, on vous parle un peu de ça parce que c'est important. Et pour le vlog, pour tout ce truc qu'on a construit depuis le début. On a tout ce qu'il faut. On a les masters, les mix masters. Ouais, on a fini le master, le dernier master avec Ilan. A lieu dans un jour et le dernier mix il est fini il y a un jour. Donc là, on est même pas un mois. On a 30 jours. Non, 29. On a 29 jours avant que la mixtape, ce projet sorte. En quelque sorte. Du coup, on parlait des promotions et du coup, je te laisse parler par rapport à la promotion de cette mixtape. Après, first mixtape. La cover part d'elle-même aussi. On part sur un niveau au-dessus. On part sur, et on se détache de l'amateur, du côté amateur dont Flo était addict. Non, mais en vrai, on rigole, on est toujours dans l'amateur, les gars, c'est pour dire que... Il y a un stade, quoi, on a fait un stade qui est au-dessus. Non, c'est pour dire que Flo, c'est bien, il s'améliore, et quand on voit amélioration, on s'améliore de... Je m'améliore de mon côté aussi, que ce soit au niveau des mix, que ce soit au niveau des... Quand on voit qu'il y a du résultat, ça pousse à travailler mieux, en fait, par logique. Moi, je pense que les projets que j'ai sortis, là, Metal et Plug, ça n'a pas forcément impacté
ma carrière, je vais dire ma carrière. C'est ça que je préfère filmer. Ouais, ton parcours, ouais, on peut parler de carrière. Ouais, parcours. Mais de, on peut parler de carrière, mais là, c'est un moment. C'est pas pareil. C'est pas le moment, je pense. Non, pas, non. Pas, non. Je pense que là, on est un peu trop gourmand. Ça, c'est d'accord. Là, t'es un peu trop gourmand, là, mec. C'est bon, on rigole, frère. Non, mais non, sur ton parcours, c'est un bon mot, c'est un bon mot, je pense. Un parcours. Donc voilà, mon parcours, merci à Wad, parce que lui, c'est un prof français, tu le connais. Il nous offre. Non, mais les gars, wesh. Qu'est-ce que t'as, même Léna, dit ça, frère. C'est bon! Et on rigole, frère. Calme. Donc, mon parcours, et c'était un petit peu, peut-être pas une bonne chose de l'avoir fait, mais au moins, je me suis dit que c'était fait, voilà. On va dire que c'est de côté. De côté, voilà. Par rapport à ce que je fais, c'est de côté. C'est pour ça que je pense que pour finir cette belle année, 2022, c'est une année qui était une année qui est enrichie de sons, de choses. Un rebondissement. Ouais, un rebondissement. C'est pour ça que je préfère finir par ce truc-là, cette mixtape, ce truc, ce truc qui. Ce projet que j'ai trop de la sortir, j'ai trop de vous la faire écouter parce que c'est moi en fait, là c'est moi on parle, tu vois, c'est FW Lozva, c'est moi-même qui vous explique la mixtape. Ouais, là il y a plus de son solo que de voilà. Faire, mec. Oui. Heureusement là t'as pu réguler quand même. Voilà, parce que... mais voilà, c'est pour vous dire qu'Akoris, ok certes c'était un truc, c'était peut-être pas la ZOP non plus, mais c'était un projet que je voulais faire écouter, voilà, c'était pour vous donner une idée de qu'est-ce que je vaux dans la ZIC, mais là... Celui frérot, c'est une autre trouve un mot là. Alors on passe sur carrément un autre chapitre. Chapitre voilà. On passe voilà, surtout nous, là parenthèse. Gros, on passe surtout sur un stage où en gros t'as plus de, je dirais que là t'as plus compris ce que tu devais faire en fait de que tu devais y faire dans ce milieu là et je pense que t'as surtout compris en fait la direction à prendre. Je vois. Et à mon avis, je pense que t'as enfin compris ce mot que je te rabâche depuis des... Après, pas que moi, en général, je suis pas ton prof, j'ai rien du tout, mais l'autobiographie, mec. Ça, c'est un truc, frérot, t'avais du mal à t'ancrer ça, frère. Ouais. Les gars, c'est réel. L'autobiographie, il avait du mal à comprendre ça. Mais il a compris. Ah oui, il y avait le bout de bois. T'inquiète. C'est quoi le bout de bois? Non, mais il y avait ça, là, on voyait une. Ah, ok. Bon, on parle de quoi déjà? Oui, la mixtape. Il y a des fuites. Donc là, il y a. 1, 2, 3, je crois. Non, 4. 4 fuites. Là, il y a 2 fuites. Donc, c'est pas des artistes qui font des zik, nanana. C'est plus pour. Oui, on reste dans la. On reste dans le pro. En fait, on reste dans le savoir, pro. Il faut savoir que. Florian a quand même cette démarche de musique par rapport à la collaboration qui est très amicale. C'est-à-dire qu'il va rester dans le. Exactement. Il va rester dans la collaboration, surtout avec des personnes qu'il connaît et dont il a soit une demande, soit alors lui, il fait des demandes à l'inverse. Mais ça va être dans ses demandes à lui, ça va rester du pro. Dans les demandes qu'il va recevoir, ça va être amical. Donc le problème, c'est à la fois un problème et à la fois un avantage, en fait. Parce que le fait de faire des sons amicaux, du coup, pardon, ça va être quand même de mettre en valeur des gens qui sont pas forcément dans la musique, et qui tu vas faire découvrir en mode, ok, on peut faire du taf correct, même sans être artiste, en fait. Et je donnerai l'exemple, du coup, de Poussière d'étoiles. Ouais, Poussière d'étoiles, c'est un bon exemple, ouais, même si, ok, le feat est pas... Non, elle est bien, il est écoutable. Et pas aux normes professionnelles, je dirais, au niveau commercialisation. Mais non, le son est quand même très potable pour quelqu'un qui fait pas du rap. Et ouais, j'avoue. Voilà, moi j'ai fait en sorte de l'embellir selon vos demandes. Et même, genre, en vrai, moi le son est bon quand même. Pour un son amateur, avec une personne qui est pas dans ce truc, genre c'est. Pas dans ce milieu du rap ou même de la musique en général, c'est bien. Après, je dirais à l'inverse, t'as fait des feats avec Amical qui ont moins bien marché, qui n'auraient pour moi pas dû être fait, mais ça passe comme une leçon. C'est une leçon. Moi, ce que j'ai rajouté sur ça, c'est bien de l'avoir dit d'ailleurs, pour la profite, parce que ça pourrait m'aider pour le futur, les prochains projets qui sortiront. Voilà, c'est en cours. Je rigole, non, c'est pas en cours, on a rien commencé, les gars. Arrêtez de croire que c'est bon, il y a des albums qui arrivent, c'est faux. Non, il n'y a pas d'album derrière. T'as cru que j'étais une machine de musique. Il y a 48 mixages à faire là, je commence. J'avoue que lui, j'ai un bon produit aussi. Mais bref, c'est fou quand même de voir un artiste qui sait tout faire. Bref, je vais rien dire. Soyez des couteaux suisses, je sais, c'est bizarre de dire ça. En termes de. Mais il faut savoir tout faire. Comme ça,
comme on dit. Multiprise, c'est lui. Non, mais. Oh, non, mais. Essayez d'alimenter tout ce que vous pouvez faire dans le sens où tu sais jamais en fait quelle ligne va être alimentée. C'est-à-dire que faire le plus de choses possible permet que, tu vois, dès qu'il y a un truc qui arrive, tu sais jamais dans quelle opportunité ça va rentrer. Et c'est ça qui est bien, c'est que dans tous les cas, en faisant plein de choses, tu sais que forcément t'es bon là-dedans. Mmh. Donc il y a forcément un des trucs qui va rentabiliser, je parle pas de l'argent, mais ça va forcément te mettre en lumière et ça va concrétiser quelque ouais, chose. Quoi. Donc voilà, faites plein de choses parce que c'est en faisant plein de choses qu'on se trouve. Oui, par rapport au feat, voilà. C'est fou parce que dans mon mix, si tu vois bien la mixtape, il y a deux feats amicales, qui est mon meilleur ami Antonin, que je considère comme plus qu'un frère. Hein. Pour ça, je mets la mixtape, parce que la mixtape, c'est un peu sur ma vie aussi. Seule vie, du coup. Il y a Antonin qui est mon meilleur ami, et Dieu merci, dans mon... et dans ma mixtape, même si c'est pas un artiste, même si c'est pas un mec connu. Pour les débuts, en termes de. Ah, il est dans la mixtape aussi ? Oui. Ah, je sais même pas. Bah, j'ai pas les mots. Même... Ah oui, bah, bah, j'étais pas. En fait, vu que je suis... quand je suis pas sur les mixages des tracks, en fait, je. Ouais, je sais même je pas. Bref, vous verrez, parce que de toute façon, on s'est appris la sortie, donc voilà. Vous irez comprendre. J'ai un cheveu dans la bouche. Il y a Antonin, il y a Antoine, que je... mon meilleur ami du lycée. C'est ça que je suis content d'avoir passé la mixtape, tu vois, je suis content quand même. Voilà. Mais après, il y a des sons bons, il y a quand même des sons. En vrai, c'est ce qui est beaucoup bien, c'est qu'il y a deux artistes anglais. Il y a Kylian YBG, ou YGB, je crois. BG, oui. Young Black Genius, voilà. Kylian YBG. YBG, voilà, frère, le son. YBG, mais... le son de la qualité, moi, franchement, je suis grave content d'avoir fait. C'est un... Je voulais trop l'avoir, je me suis trop dit, putain, j'espère qu'ils disent non. Voilà, voilà la première impression que j'ai eu. Je lui dis par Instagram, je lui dis, ouais, t'es chaud, on fait un son. Enfin, pas comme ça, au fur et à mesure. Et il m'a dit, ouais, tout, vas-y, on se capte et tout, tu m'en es bout, nanana, on est venu chez lui, on a fait le son. Et franchement, le résultat, même on avait fait enregistrement il y a deux semaines. Il a mix. Toi, j'adore parce qu'il dit Max Mister. Les gars, la vie de ma mère, c'est réel. Par contre, on dit Mix Master. Dans le milieu, on dit Mix Master. Si vous voyez bien, Mix Mastering, mixage Mastering, Recording. En fait, Rec, c'est Recording. Si vous avez bien vu dans la vidéo du vlog Perdu dans l'espace, alors enregistrement Kepler. Il dit Mix Master et Mix. Max Mister. Ouais, Max Mister. Le mec s'est cru dans une série, dans un dessin animé. Pour Kepler, Rose, j'ai dit comme ça. On dirait pas le truc d'un dessin animé pour enfants, genre de pote. Max Mister, les gars. La vérité, même un truc à un moment, genre une barre de céréales. Ah oui, j'aime bien. J'ai une surprise. J'avoue, c'est marrant. Putain. Il faut rigoler dans la vie. Seule vie, pour ça, les gars. Devise, one life, on n'est qu'une seule vie. Pour ça, je dis ça. Ça m'a chier tout à l'heure. Du coup, on a fait le son ensemble et tout, et il l'a mixé et masterisé, pas encore, mais ouais. ça a fait. Et franchement, le son, que ça pense, franchement, il est bien. La chimie, il est bien. Bien, t'as fait dessus, les gars. Il y a un B-switch. Bon, en même temps, heureusement qu'il est bien, j'ai passé 4 heures de mix dessus. Donc... Surtout ma voix, mais bon, ça, il va pas le dire. Oui, c'est vrai que j'ai passé un temps, puis conséquence. Ah, vrai, c'est pas grave, on le dit. Parce que Kylian YBG, évidemment. Il a une voix qui. Bah, ça fait 10 ans qu'il travaille là-dedans. Je suis vieux, c'est bon, dis-moi, je ne vois pas beaucoup. Aussi. Mais non, mais ça fait 10 ans qu'il travaille là-dedans. Je suis même. Ouais. Il a une voix, bon. Puis sur le fait que c'est quand même un. Là, on a quand même un feat anglais sur ce. Ouais, sur ce... Mais ça, on en parle pas aussi que. C'est un feat anglais quand même. Ouais, un feat français-anglais sur ce. J'avoue que. Une première et en plus. Puis, on voit qu'il est à l'aise là-dessus parce que ça fait 10 ans qu'il est dans ce. Donc, je suis trop content d'avoir quand même un son qui peut. Marcher et même moi j'ai écouté le son, je me suis dit en vrai ça passe. Mais trop bien répondre à la question, ouais. Je te coupe pour répondre à la question du mix master. Sa voix était plus facile à mixer aussi par son expérience et de fait ses 10 ans de travail et de voix, etc., mais aussi parce que il a une voix qui corda avec toutes les instruments, toutes ces tonalités, elles sont ok. Oui. Ça a encore rapport avec le travail, mais l'instru sur la deuxième instru, c'est pile là où il devait être. Ouais, c'est pour ça que pour moi, ce son, c'est une alchimie parfaite. C'est franchement, c'est la première fois que je vais dire ça sur un projet à toi, mais c'est une alchimie parfaite. Pourquoi? Parce que le son, en fait, il est progressif et en fait, il arrive à un moment, c'est même pas. Tu dis le son, il est fini? Non, il y a un mec qui arrive derrière. Il y a une autre instru et l'instru, elle est pile pour lui. Il la graille. Bah, vous savez quoi, les gars, pile pour les prods, je cherche et j'ai pris une prod Travis Scott. Je me suis dit, vas-y, lui, je pense qu'il est côté un peu Travis Scott, Big Kim, tu vois. Et j'ai pris une prod de B-Switch parce que je voulais trop qu'il y ait une pause et que ça porte. Tu vois, le mec il écoute, mais il se dit pas ce qu'il y a après, tu vois, comme il dit là. Bah, je vais prendre un truc comme ça. Mais du coup, j'ai pris une prod et on a écouté, il a grave kiffé et voilà, on a fait ça en deux. On a enregistré en une matinée.
sans compter le mixage, le mastering. Et voilà. Mais en tout cas, je pense que en conclusion, ce son, ça pourrait péter. Même faire des TikTok, il pense à ça direct. Non, en vrai, sérieusement, un featuring anglais pour une première, pour mes mixtapes, je pense que ça pourrait être une bonne. Un featuring anglais. Ouais, ça va bien démarrer. L'année 2023, voilà. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est au moins ça. En fait, ça fait pas couper les ponts, mais ça ferait remémorer en fait à ton. Exactement. À tes anciennes. Exactement. Non, pas à tes anciennes inspies, mais comment on dirait ça, à ton ancien chemin artistique où tu oui. là où à l'époque tu t'étais dirigé, le rap US, c'était, là on bifurque, c'est un truc où tu es dans le rap français maintenant et tu fits avec un artiste dans quel milieu tu voulais aller avant, mais où tu as pas pu venir, et c'est ça qui est beau parce que tu vois que l'alchimie en fait c'est pas par hasard que t'avais ce fit là, non c'est tu vois hasard. C'est pas par hasard, c'est j'ai pas pensé, par j'ai hasard pensé. C'est parce que c'est pour ça c'est ça qui est bien, c'est que c'est pas par hasard. Et en fait, la mixtape elle-même n'est pas faite par hasard. C'est pour ça qu'on y taffe plus et qu'elle résonnera plus dans les caboches. Parce que ça veut rien dire ce que j'ai dit, mais je m'en fous. C'est parce qu'elle est mieux gérée, donc je suis fier de lui dans le sens où il a mieux géré ça. Et on voit mieux l'autobiographie et les feats. En fait, surtout ce feat-là, il n'est pas fait pour rien. Il n'est pas là à délaisser au hasard. Donc, voilà. Non, j'avoue, c'est très très bien. Il n'est pas délaissé au hasard. C'est pour ça que c'est un beau feat. Une bonne. Même s'il a 10 ans et qu'il est. Ouais, il a un truc quoi. Il y a une. Je dirais pas qu'il est meilleur, mais il y a une différence. Ouais, en fait. Oui, il y a une différence. Et vu qu'il s'appelle 10 ans, il est là-dedans. Oui, il y a une différence vraiment. Il y a une grosse différence, mais c'est ça qui est bien, c'est que ce choc-là, on s'attend pas à avoir un artiste comme qui débarque comme ça. J'avoue. Et voilà, au moins, ça lui apporte la lumière à toi et à lui. On espère d'ailleurs, et en même temps, tu vois le tracé quoi. Puis, c'est pas par hasard qu'il est là, ce suite. Puis franchement, Kylian, j'ai vu une fois, je sais rien, mais je sais pas que c'est lui en fait, Kylian, tu vois, de base. Mais je suis grave content d'avoir. On a une bonne alchimie, comme il dit, on a des bons trucs, on a des bonnes vibes, et on sait, nous deux, on sait très bien que le rap US. Enfin, dans la côte. D'accord. Ça sert à quoi ce. Je sais pas. Ok. Je vais trop faire ça, mais... Ouais. Voilà. Ouais. Ça, tu coupes, la lumière, tu coupes. Oh c'est bon frère, c'est bon, je déconne. Non en vrai, sérieusement, ce sont. Non en vrai, le cringe, tu le cringe. De la qualité, ben, on peut le dire de la qualité, c'est une qualité, tu vois. On avait fait changeant de sujet. De sujet, ah un nouveau mot. sujet. C'est ça, sujet. Hein. Sujet. Hein. Ouais, sujet. Je disais frérot, c'est pense... pas dans, perdu dans l'espace. Oh putain, bref. Du coup, on reparle sur la promotion. Moi j'avais grave idée de mettre des papiers genre dans la rue. De venir, tout ça, t'as capté pour la préparation d'un mixtape. Même dans mon lycée, je le ferai, je pense. Je le ferai, on fera des vidéos, on vous avez capté pour le vlog, tout ça. Ouais, non, mais c'est carré. Non, je suis content. Mais pour clôturer tout ça. Ouais, et franchement, j'avais dit un truc, les gars. Dans le P, dans le mixtape, les gars, il y a un son. Lui, frère, je pense qu'il doit savoir de quoi je parle, je pense. Oui, non, mais après, pour clôturer tout ça, c'est ce que j'allais dire. On a coupé. Non, je te coupe pas. Je te coupe pas, t'avais arrêté de parler. Frérot, je coupe pas la parole, c'est la famille. Non. Mais non, mais après oui, le morceau iconique, on y vient enfin, le morceau iconique de la mixtape. Alors celui-là, les gars, vous avez intérêt de manger, hein, vraiment. Et je marche pas mieux moi. Ah, j'ai fait, t'as vu? La putain de la culture. Ouais. Je dis, vous avez intérêt de manger. Les mots. Je marche pas mes mots. Oui, bah je l'ai mangé les mots. Bon, allez, bref, ce son. Non, bon, allez, on oublie la blague. J'ai bégayé ou t'es bégayé? Je sais pas si elle est bien. Elle est bien, les gars. Non, elle est bien. Non, sérieusement, les gars, je vous dis un truc. Je me mets mieux parce que j'ai mis un trou milieu parce que c'est moi mixé déjà, dégage, je rigole. Déjà, le mec, il a mon siège, frère. C'est bon. Prends trop la confiance. Alors, excusez-moi, les gars, j'ai mon mixé, ma première CD. Voilà, c'est moi que j'ai ce musique, lui, c'est FW. En fait, moi, je vis dans la rue, les gars, je suis un imposteur. Je suis totalement un imposteur. C'est clean, ça, c'est clean. Non, je rigole. Non, mais en vrai, pour ce morceau iconique, je vous avouerai que même lui vous avouera, parce que c'est son truc, à la base. Bah, il a été bossé plus que les autres. Attends, frérot, là, tu fais quoi, là? Ok, frérot, c'est des lunettes 3D. Non, je rigole, c'est mes lunettes 2D. Bah, tu vois, c'est pas obligé, c'est 3D, frérot. Là, gros, t'as trouvé le bon mot. On se concentre. Vas-y. Alors. Donc pour ce morceau-là, il est iconique. Pourquoi? Parce que du coup, il a pour nom FLW. Bah comme par hasard. Donc, qui interprète dans son blaze. Mais pourquoi il est iconique? Parce que en fait, c'est vraiment le son où tu dis ok, la concrétisation, elle s'est fait vraiment direct. Pourquoi sur la top line de refrain?
Oui. La top 5 du refrain. Alors là, les gars, vous avez intérêt à le stream juste pour le refrain, même pour les couplets qui sont vraiment pas mal. Mais le refrain, c'est vrai que voilà, la top line, j'ai aidé à trouver la top line, mais le refrain est de lui et franchement, ça rentre en tête. Mm. Donc c'est ça qui est bien. Là, on tombe sur un morceau où ça rentre en tête. Vraiment, il a trouvé ce truc là. Et en même temps, bah, que dire à part que c'est le premier morceau qui sera clippé avec un clipper de qualité. Exactement. Qui n'est d'autre que Zomboy. Je vais expliquer plus en détail. Zomboy en 2-2. Le son a été fait dans un vrai studio. Donc, déjà, on est arrivé au studio Ripshot, parce que Ripshot, c'est là où j'ai fait Lotus. Ouais. Pour ceux qui se rappellent. Donc, là, on est arrivé au studio au sud, du coup. Il y a un vlog qui va arriver, de toute façon, juste après, donc on a capté. Il y a un petit problème. Genre, moi, j'ai cru que c'était au sud, parce qu'il y a deux studios. Il y en a un qui s'est construit dans le nord, bref. On va pas rentrer dans le détail. Ouais, non, on s'est trompé. Voilà, bref, on s'est trompé. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Du coup, on est parti avec un artiste qui nous a amené gratuitement et gentiment en plus. Enfin, genre, en mode ce mec, je l'adore vraiment. Il est l'artiste aussi, on a écouté ses zigs, il nous a dit que ouais, c'est cool. Ouais, big up à Noah. Ouais, big up à Noah, les gars, si tu vois cette vidéo. Il verra jamais, mais c'est pas grave. Quand même, big up. Gros big up à lui, les gars. On arrive au nord, du coup. Et en plus, c'est ma première fois que j'enregistre au nord. C'est la première fois que je fais un son au nord en plus. Et lui aussi, il a eu du venir avec moi et tout. Et le... Ah ouais, un grand merci à Noah, mais. Ouais, et en c'est plus, grâce un à grand merci. Là, un grand merci à celui qui a fait le son, surtout. Un G-son. Oui, un grand merci à Nicolas. Nicolas, ce mec, c'est un juste Nicolas, ça, le boss. Mais bref, le son a été fait là-bas, du coup, en chat. Du coup, là, on... c'est pas chez moi, genre, c'est pas avec un PC et puis le micro. Et on a fait ça en après-midi. En 5 heures, on a fait 4 heures. 4 heures d'enregistrement. 4 heures d'enregistrement. Ouais, j'ai pris 4 heures cette fois-ci, au 2-2, parce que 2 c'était Lotus. Ah bah, il a fallu le pousser, heureusement que les 4 heures on les avait, frérot. Mais tu vois, et je pense que c'est le titre qu'il a le plus taffé, donc voilà. Et il sera clippé par le frérot Zomboy. Zomboy, ouais, Zomboy, un artiste, enfin un mec qui fait des clips. Un réalisateur. Un réalisateur, ouais, un vidéaliste. Un vidéaste. T'inquiète, mon gars, ça va le faire. Frérot, cette journée était. Vidéaste, cette réalisateur, journée, frérot, c'est les mots que tu voulais pas là, ouais, c'est bon. Vidéaste, voilà. Le clip sera fait, il y aura des vidéos, vous inquiétez pas, ça va être fait, ça va être bientôt arrivé. Je pense que si on fait ça, les gars, c'est pas pour rien. Ça veut dire que ce son, comme il dit Arwan, je pense que c'est le meilleur son, je pense, de tout. Si on parle de tout. Y a pas de meilleur, mais en fait. Non, pour moi, c'est le meilleur, frère, on va pas se le cacher. Pour moi, c'est si l'ambiance. Dans le projet, c'est un son qui complète le projet. Ouais. Hors projet, c'est le meilleur son que t'as fait. Moi je dirais ça, ouais, pour être efficace, non, je dirais c'est ça. C'est la meilleure production parce que c'est là où tu as tout charbonné et c'est là où enfin tu t'es dit, tu as ressenti le travail qu'il faut pour aboutir à un son concret, concrétisé. Un truc qui tue sa mère. Moi je vois. Donc voilà, pour moi, je sais pas comment tu veux clôturer tout ça. Ouais, moi je dirais que bah, en fait, le frérot il arrive sur une mixtape, sa première mixtape qui a quand même été bien bossée. Dont les feats sont à la fois bien amateurs et bien pro avec du coup l'arrivée de Wabiji qui l'a. Mais à part que franchement, moi ça a été un plaisir de bosser sur ton projet. Malgré les hauts et les bas, bien sûr, parce qu'il y en aura toujours. Mais voilà. C'était carré en vrai. C'était carré comme il avait dit. Ouais. Non, mais je suis content. Je suis content que ça t'a plu. Mais après, ce qui est bien, c'est qu'en vrai, ce qui est vraiment bien dans conclusion, c'est que ça nous a permis à. Ça nous a permis à nous deux, limite, de comment faire un projet en fait. Comment faire un vrai projet, comment le construire, comment l'élaborer. Ouais, comment l'élaborer. Et lui, ça l'a pris. Même dans ses mixages mastering, moi, j'ai, ça l'a beaucoup appris. J'ai développé parce que c'est vrai que bosser sur un son qui est mauvais, le mixage va être moins attrayant et ça va donner moins pour lui, de bosser ça aide aussi. Qu'avec un son meilleur. Non. Je dis pas qu'il y a des sons où t'es éclaté, c'est faux. Tous les sons sont un minimum bien réalisés et un minimum bossé en fait. C'est bien que c'est pour ça que ce projet pour moi est bien réalisé. Comme le vlog sortira après la mixtape, la sortie du coup, il y a un feat qui arrive du coup là. Il y a un son qui sortira. Bon, le son est sorti, vous avez capté. C'est avec un rappeur américain du coup aussi. La porte que je t'ai écouté en début d'année là, que je voulais rappeler dessus, du coup je t'ai écouté en plus, c'est Let You Go. Let You Go avec Yann Dior. Un remix on va dire plutôt, mais c'est un mix. Il a été posé celui-là ? Ah c'est fait, il a été enregistré déjà. Ah ouais. Bah en mars. Je l'ai écouté frérot, elle était fait en mars là. C'est ça que les sons frérot, je l'ai fait il y a Il a des sons frérot, la vie de ma mère, c'est une encyclopédie son ordi. C'est frérot, oui. Papillon, ça reste le premier. Papillon, ça reste le tout premier son. Papillon, vraiment les gars, c'est le tout premier son qui a été fait en 2007. En janvier. J'ai envie de vous dire que c'était quand.
C'était vraiment juste avant que. Même pas que le pays a couru sorti, frérot, je l'ai fait. Donc voilà, ouais, les gars, c'est pour dire que le mixtape, on l'a fait, il est bien dans le. Donc voilà. Le feat sortira, bah, il est sorti, mais bref, je veux dire, ouais, du coup, il sortira en milieu novembre. Donc voilà, la cover, j'ai pas encore fait, je vais la faire, je pense. Et donc, ça sera un featuring comme ça. Je préfère la sortir maintenant parce que si je commence à sortir les sons qui pètent sa mère, c'est pas une bonne. Donc, tu sors quoi là? Les Tugos. Et tu le sors quand du coup? Le 15 novembre, je pense. 15 novembre. Okay. Dans ces eaux-là, je sais plus quel jour, je sais ça comme ça. Approche. Mais, ça, je préfère faire sortir un son 15 jours avant que le pays sorte. Je viens d'apprendre que j'ai une cover de plus à réaliser alors. Non, je l'ai fait, mais je l'ai acheté. Ah, c'est bien, ça me fait du taf pour moi. Ouais, je suis pas payé de toute façon. Bah, il est payé, mais quand même. Il me paye pas, regardez, il m'exploite ce bâtard là. Non, je rigole. C'est pas payé ça. Je rigole. En vrai, c'est. Non, calme. J'ai fait gratuit. Okay. Non, en vrai. Mais voilà, du coup, ça c'est le premier son qui sortira avec la mixtape qui sortira après. Il y a un son anglais aussi, les gars, dans la mixtape. Charlie She Love Me aussi, que j'ai fait écouter à Erwan. Pour ça, il a tout écouté, je pense. Il a trop écouté longtemps. Je crois que j'ai même pas. Ouais, et non, je te dis la vérité, je crois que j'ai pas tout écouté. Ah ouais? Non, je crois que j'ai pas tout écouté. Moi, j'ai taffé sur des. Si, j'ai écouté. Non, moi, j'ai taffé, les gars, j'ai taffé sur des tracks. Au début, moi, il m'a foutu sur des tracks. J'ai mixé des tracks où de base, j'étais même pas sur le recording de base. Et après, j'ai mixé des tracks. C'est vrai que moi, j'ai fait des sons que j'ai même moi mixé master. Voilà, je vous dis direct. Papillon, non, je l'ai remixé master parce que c'était pas bon. C'était. Mais Papillon, c'est moi qui l'ai fait. Papillon, je suis moins fan. Mais il a été remaster, je t'ai pas fait écouter en plus, master. Il a été remaster cet été. Ouais, je sais, mais aussi tu m'as fait écouter. Je suis pas fan, mais il est pas nul. Bah, tu sais quoi, frérot, Papillon, je pense que c'est le plus avant. Parce que tout le monde dit Papillon, vraiment, les mêmes merdes. Oui, parce que tu l'as vlatisé. Ouais. C'est pour ça. Mais il est bien le son, mais moi je suis pas fan. Moi je pense qu'en catégorie, on va pas le dire parce que c'est pas encore, mais ça fait peut-être partie des 5e, je veux dire. Moi je sais mes préférés de ta mixée. Mais de toute façon, voilà, on va pas le dire. j'étais au track à jamais. Ouais. Charlie She Love Me, c'est moi qui l'ai fait. Je l'ai fait en anglais, le refrain est en anglais. Donc ma voix en vrai, j'ai mieux évolué par rapport à ce que j'ai fait à l'époque. Voilà, Let You Go avec Diane Dior, bon ça arrive très très fort. Hein, si c'est sorti après. Bah lui il était là pour. Bah avec Kylan, bien sûr, hein, c'est lui qui a master. Le dernier son, Appartement Studio. Soit un coup de tête, hein. Frérot. Il est venu chez moi, frérot. À la base, on devait rien foutre. Ouais. On avait rien foutu. À la base, non. Et je lui dis clairement, les gars, on prend. Et je lui dis clairement, Erwan, vas-y, c'est quoi, je fais un instru old school. Parce qu'il me dit toujours, ouais, toi, tu fais toujours le truc instru américain, c'est pas trop français, tu vois. Et tu dis, frère, c'est pas trop. Bah, je dis, frère, c'est quoi, vas-y, old school, vas-y, mets-moi un instru old school. Il m'a dit, oui, ce qu'il a fait, j'ai rappé. Voilà, frère, je vais expliquer. Pour l'actu. Juste pour l'actu et pour le. Pour le bijou chaud de promo et même de l'actualisation. Sur ce titre-là, on n'a pas dit, mais sur ce titre-là, la mixtape, qui est dernier son c'est un titre mixtape. Bonus. C'est un titre bonus. Ouais, c'est dernier, dernier son titre mixtape. Bonus. Il y a un mini IGTV que moi j'ai réalisé dans son studio. Trépied, petite vidéo Kali, vite fait. Qui sortira que en IGTV. Donc voilà, ce sera un petit, vu que c'est un titre bonus, on lui réserve aussi un acting bonus derrière. Donc il sera sorti. Oui, il sera sorti, mais tu sortiras l'IGTV. Voilà, vu que c'est un bonus là, track, en gros, il sera en. La vidéo, là, on parle en ce moment-là même, la mixtape n'est pas encore sortie. C'est ça que je vous explique un peu le topo de ce coup. Parce que du coup, la mixtape, elle est finie, là, pour nous. Mais vous l'avez pas encore. Oui, voilà, moi, j'arrive pas à me repérer, là. La vidéo, elle sortira après la mixtape. Donc si vous. Voilà. Sinon, en fait, je la voyais après. Voilà, exactement. Ça bon, fait tu bizarre, pourras... genre, en mode. Genre, là, elle est pas. Et ouais, allez, je vais fermer. Ben, en fait, on explique l'histoire de la mixtape, c'est tout. Il n'y a rien de plus. Hein. Ouais, mais ça fait trop bizarre. Genre, quand le truc sortira vraiment, ta mixtape sera vraiment sortie. Ce sera incroyable. Ouais. Ce sera trop bien. Bizarre comment, incroyable ou... Non, mais parce qu'on aura taffé quand même. T'imagines ce taf qui sera sorti. Bah, ouais. Bah pour là, ça qu'on peut se. Les gens, ils verront cette vidéo quand le taf sera. Ouais. Non, c'est incroyable. IGTV sortira, voilà, il sortira. Que dire à part, bah, portez-vous bien et streamez à donf du coup le projet vu qu'il est sorti quand vous regardez cette vidéo. Stream les gars. Mais bonus trap, les gars, bonus trap, on a fait un son sur old school. Franchement, je suis content. Vraiment, je suis content de ce son parce que tu écoutes comme ça, tu peux écouter dans le train, tu peux écouter le matin quand tu te lèves et tout, c'est grave si je trouve ça vraiment. De toute façon, hein, le lien il sera là, hein, je compte sur toi pour. Je mettrai tout. C'est son bail. C'est ma chaîne YouTube, Bon Life. Voilà. Tu connais.
FW, bon. Puis ma chaîne YouTube aussi. Piche, non, je rigole. Non, mais après, c'est quoi Parasite. Alors, les gars, il y a quelqu'un juste là-haut. Il y a le lien, ça fait là-haut. Il y a tous les sons qui sortiront. Bref, je pense que je ferai un lien LinkedIn, je crois. Limite. Non, mais ouais, voilà. Bon, comment clôturer cet épisode qui dure 31 minutes? Putain, mec, oui. Cours la vie de ma mère, on a fait un visio. Les gars. FW, on a fait un rimshot. Le son mec avait délevé sur Étoile. On l'a fait chez moi, il était là. Antoine était venu chez moi ce week-end, enfin, il y a un week-end dans l'année. Pour le faire le son et tout, et on était grave content de l'avoir fait. C'était un son love et tout. Donc, du coup, en plus, c'est le son le mieux mixé, je pense. Hein. C'est déjà? Ouais, sur mon ordi à moi, sur mon PC à moi, je crois. Ah oui. Là, je suis allé loin. Ouais, là, franchement, il a trop géré la fin. Ouais. Ah, une pépite. Bon, là, faut clôturer, poteau, il y a 32 minutes. Ouais, frère, je vais te parler, non, c'est un peu. Mais non, mais gros, les gens, ils vont pas regarder si c'est aussi long. Non, je rigole, les gars. En tout cas, voilà. De toute façon, il y aura toutes les vidéos, il y aura toutes les vidéos qui sortiront. Les gars, les streamer et donner de la force aux amateurs, aux artistes amateurs, J'ai pas les mots quand on a un putain. J'ai pas les mots, les gars, aussi. Tout ce qui se passe en général, c'est grâce à vous, c'est grâce à personne d'autre. Mais pas tous ces pics, parce que dites-vous que de toute façon, que ce soit pour moi, d'autres artistes amateurs ou bien même le collègue Loza. Tout ce qui nous fait vivre au-delà de la situation financière, parce que c'est pas ça qui rentre en compte, mais c'est vous qui animez en fait nos vies d'artistes, vu que c'est vous qui êtes là à donner de la force derrière, donc n'hésitez pas à donc vraiment streamer et jouer le jeu, quoi. Et si vous kiffez, bah, tant mieux, n'hésitez pas à streamer à fond, et puis voilà, à donner de la force aux artistes amateurs, important, voilà. Et sinon, bah, sur ce, bah, voilà, qu'est-ce à dire de plus? Je regarde si j'ai pas oublié de son. Non, mais non, je crois qu'on a tout dit. Non, c'est fini. Je crois qu'on a tout dit. Si on a déjà parlé. Si Poussière Étoile, Charlie, Papillon, FW, Bonus non. Track, Appartement, Kylan. Non, je ne crois pas que c'est juste tout. Non, oublié. On a tout dit, mec. Ouais, j'ai tout oublié. Bref, voilà, c'était pour vous expliquer un peu comment ça s'est passé. Le ça. Déroulé. Ouais. Voilà, de toute façon, je pense qu'on fera une vidéo après. Parce que là, on l'a fait avant, mais du coup, on fera une vidéo dès qu'on aura les 10. Vas-y, je vais rien dire. Peut-être un mois après, je pense, on fera des vlogs. De toute façon, il y aura tout qui va arriver, les gars. Vous allez tous voir, vous allez tous. Vas-y, je vous aime tous, les gars. Big up à tous, les gars. Il aime plus les mots, regardez, tu vois, il faut qu'il ait encore plus les. Il faut que ce soit encore pire, les gars. Il faut que vous streamiez tellement et que vous partagez tellement qu'il soit en mode, les gars, je sais plus quoi vous dire. C'est ça qu'on veut, en fait. Il faut aller aider les artistes amateurs, donc voilà. Streamer son projet, les gars, et vous pouvez pas lui faire plus plaisir qu'en streamant son projet. Moi, je remercie, voilà, je redis remerciement. Je remercie à toute l'équipe, j'ai dit l'équipe parce que vas-y, bon, on arrête de parler comme les trucs là. T'as capté? Je remercie à toute l'équipe, lui qui s'occupait de tout, limite de tout le mixtape, frérot. Moi, je suis la voix, tu vois, moi je suis la voix, lui c'est le rendu de la voix, t'as capté limite. En fait, moi je suis le. Le après, t'es le après, toi. Moi, je suis le maçon derrière, ouais. avec les caisses, là, non. Avec les sacs de mortier et tout, voilà. C'est moi qui arrive derrière avec ça. Moi, je suis, voilà. Avec le dos bossu, là, comme ça. Donc voilà. Je remercie à tout le monde d'être là, J'ai plus les mots, frère, c'est quoi? On a qu'une seule vie, les gars, seule vie, ça arrive très très fort, bon, c'est sorti, vous avez capté. Tu peux pas mieux conclure. N'hésitez pas à streamer le mixtape, les gars, les clips vont arriver de baiser, les trucs vont arriver de baiser pour l'année 2023, les gars, je vous dis pas plus, mais j'espère que ça va arriver, les gars. Grosse big up à lui surtout, et envoyez-lui la force, parce que envoie-lui beaucoup de force, parce que lui, merci, il a, les sons, ils arrivent très très fort chez lui, il a sorti beaucoup de sons, donc on va pas détailler plus. Alors, il a sorti moins que toi, je crois. Ouais, mais bien, mais. Moi, j'aime bien. Mais bref, je vous aime, les gars. On n'a qu'une seule vie, les gars. Mixtape. C'est réel, seule vie disponible. Seule vie, les gars. Ouais. Là, tu finis la vidéo, je vais couper la vidéo, tu sais ce que t'as à faire. Tu vas aller sur Spotify, tu vas écouter le son. Et si tu l'as déjà streamé, tu le restreams, moi. Bon, on va pas forcer non plus, mais vous avez capté. C'est pas une mise à l'amende, mais tu stream, mec. Let's go.